Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en collaboration avec la marque Temu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super marque. On va tout vous expliquer. C'est un site avec plusieurs catégories, des prix abordables, des coupons incroyables. Voilà, vraiment, vous faites vos affaires chez Temu. Je vais vous montrer ça, les prix, vous allez voir, vous allez être choqués. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, pour toutes les envies. Tout ce que vous voulez, il y a cuisine, électroménager, dehors, dedans, il y a tout. Et vous avez même des soldes allant jusqu'à moins 90%. On va vous montrer avec un budget tout ce qu'on a eu, vous allez être choqués. C'est pas tout parce qu'en plus d'avoir des super prix, livraison et retour gratuit pendant 90 jours. Donc profitez de ça. C'est vraiment pas mal. Et en parlant de 90, vous avez même 90% de réduction si vous inscrivez directement sur le lien en description. Vous installez l'application Temu et sur votre première commande, vous avez jusqu'à moins 90% de réduction avec le code JOY7578. C'est beau ça, non? Avec un budget de 200 €, on a fait une sélection. On a fait chacun notre sélection parce que ça, c'est source d'embrouille parce que j'ai commencé à vouloir ça, lui ça, lui ça. On n'était pas d'accord. On va vous montrer ça. En tout cas, on a fait des super affaires et je suis très contente. Je peux vous dire que j'ai meublé ma cuisine. C'est parti. Catch me if I fall. Je vais commencer. Je crois que j'ai un peu plus de trucs que lui, tu sais, tu connais quand tu fais le magasin. Je crois que le partage, il n'a pas été bien fait. Hein. On a une quarantaine d'articles, j'en ai 10. Hein. Non, mais... Tu bégayes. Il y avait 40 articles et on n'a pas fait 20-20, on a fait 10-30. Oui, mais il y a des choses que ça va pour toi aussi. Ah ouais, mais tu vas me montrer quoi? Ça, par exemple. Ouais, c'est super ça. Ça, pour toi aussi, c'est bien. Voilà, une mandoline, fois. Voilà, tu vas pouvoir couper les légumes. Voilà, c'est parfait pour toi et pour moi. Je vais couper les légumes. Je vous montre. Hop. Ça, c'est tellement pratique. J'ai découvert ça cet été. Après 10 ans de cuisine, je découvre enfin qu'il y a un objet qui coupe des légumes tout seul. Alors que je me suis embêtée toute ma vie, genre. Ça existe depuis la nuit des temps, ça, en plus. Je savais pas. Donc, on a une mandoline, comme ça qu'on dit, mandoline. Oui, je pense. Je crois. Et vous avez donc tout pour couper en carré plus gros. Vous coupez des slides comme ça pour couper les pommes de terre, faire des gratins. Voilà, franchement. C'est propre ça. Et là, tu as le petit pic et tout pour piquer la pomme de terre. Non, un oignon. Ouais, ou la pomme de terre. Ouais, la pomme de terre, tu la mets, après tu fais. Exactement. Bah, tu vois, tu vas l'utiliser tous les jours. Je vais jamais l'utiliser, mais j'aime bien le concept. J'aime bien ces gadgets, ça me plaît. Ah. Mais toi non plus, tu vas jamais l'utiliser, j'en suis sûr et certain. Je vais tarpin l'utiliser, chérie. Je passe ma vie dans la cuisine à couper des légumes, à perdre un temps fou. C'est vrai? C'est qui va couper les légumes sinon? Bah, c'est toi comme avant, c'est-à-dire sans mandoline. Il vient jamais dans la cuisine, forcément, il voit pas ce que je fais. Donc voilà, donc premier petit achat pour nous, très utile. Ah oui, vraiment pour nous. Pour nous. J'ai hâte de l'utiliser. C'est un de mes préférés d'ailleurs. Après, bah montre-moi du coup ce que t'as pris. Alors moi tu vois, moi je suis allé un peu plus. Parce que ça, tu vas utiliser ça. Mais complètement. Toi, mais tu vas aller dans la maison et tu vas courir après les mouches pour faire les tapettes à mouches. C'est pas que les mouches. C'est aussi les moustiques. Arrête. Vas-y, mets le doigt. Non, arrête. C'est mouches, moustiques, ça fait raquette de paddle. Mais en même temps, ça fait. Tu vas jamais tuer les moustiques. Jamais de la vie. Jamais, je vais l'utiliser, mais c'était stylé. Et tu le ranges comme ça, c'est propre. Et après, tu le recharges comme ça, directement au secteur. Mais pas du tout. Il va jamais me mettre ça au milieu du salon. Non, je vais pas le ranger comme ça, mais c'est pas mal, tu vois. C'est vrai, c'est pas mal. Depuis que je prends les cours de paddle, c'est chaud. Ça... Allez, à moi. Bah, moi, j'ai pris une passoire. Voilà. J'ai pris une passoire. Hop, on met son riz ou ses pâtes et ensuite on verse l'eau, tout simplement. C'est pratique. Ouais, c'est pratique ça. J'ai compris le concept. Ça fait comme ça, l'eau tombe par là. C'est pas mal l'inventaire de ça. Une passoire. Non, mais elle est spéciale celle-là. C'est une passoire que j'ai jamais côtoyée celle-là. Mais tu en as jamais côtoyé aucune. Ah, t'es d'humeur que la chaise aujourd'hui. Si tu veux, tu pourras la... C'est bon, vous avez compris, je ne fais jamais la cuisine. Mais voilà. Si tu veux, tu pourras la côtoyer celle-là. Ou alors tu peux t'en servir même de cas. Ouais, je peux. Mais toi, tu fais la grandiose aussi avec tous tes trucs de cuisine, mais on va au resto tous les jours. Je cuisine. Tu cuisines T'es sérieux? Je cuisine pas. C'est qui a fait à manger à midi? Ah ouais, ça y est, tu prends, tu vois. Mais ça faisait 6 mois et demi que tu m'avais pas fait manger. On est là plein de Uber toute la journée, qu'est-ce que tu me racontes? Toute la journée, on commande des sushis tous les soirs et on va au resto. Qu'est-ce que tu me dis? On va rentrer dans le vif du sujet, on y va, maman. Allez, on va changer les ustensiles de cuisine du coup. Ok, tu vas montrer ça. Attends. Non, mais c'est bon. Ça, c'est trop bien. Tu sais pourquoi ça? Ça, tu vas kiffer. C'est pour les enfants. Alors, vous savez ce que c'est ça? Bah oui, vous savez, puisque c'est des sabliers en fait. Et il y a des minutes dessus. Donc, il y a écrit 5 minutes, 2 minutes, 3 minutes, 1 minute. Et ça, c'est super bien. Pour se brosser parce les dents. Parce que c'est très. Oui, les enfants adorent ça. Parce que du coup, ça leur donne envie de que ça tombe en bas. Et en même temps, ils se brossent les dents. Et du coup, ils respectent le temps. Puisqu'ils n'ont pas encore la notion du temps. Si je leur dis il reste 2 minutes, ils comprennent rien, tu vois. Ça, c'est un achat intelligent. Ça, c'est un achat intelligent. Moi, là, j'ai pris ça. Tu vas adorer. Bien sûr. Des petits on est le 3 octobre, sacs de Noël. On est le 3 octobre, très important. Oh là là, regardez. Alors et tu vas mettre quoi dedans? Bah, des cadeaux de Noël. Ils sont jolis, ils sont jolis. Des cadeaux de Noël? Ah ouais. Pourquoi? C'est pas ceux des enfants, là. Des petits là, cadeaux de Noël. Ah ouais. Mais regarde, trop stylé. Et vous trouvez même des petits sacs comme ça, canon. Bon, après, moi j'ai pris Noël, mais vous pouvez trouver d'autres thèmes. Hein. Mais moi, vous savez, ma passion de Noël, j'ai tellement hâte.
le Papa Noël, la déco, la maison, les boules, j'adore ça. Ah oui, ça tu sais ce que c'est? Ça a l'air inutile. Eh ben, sachez que c'est pour poser le téléphone ou un iPad. Donc là, regarde, si tu veux te regarder ton petit film. Hey! Eh ouais, mon pote. Ah, c'est pas mal, remarque. C'est pas mal, c'est ça. C'est bien quand tu lui prêtes la tablette. Eh ouais, et pareil avec le téléphone. Ah, je peux le mettre dans mon sac à main pour aller au resto et pour... Mais moi, je prends des trucs utiles. Tu vois, sur le papier, ça a l'air bizarre. Non, c'est vrai. Ma foi. Non, mais je me suis dit à la maison, sur la table de nuit, tu mettras jamais. Mais c'est vrai que si on le met dans le sac à main pour aller au resto pour Mylon, des fois, quand tu y vas sur la tablette ou quoi... C'est vrai. Attention à la tablette. T'as vu, moi je pense aux enfants. Hein. Oui, mais attention à la tablette pour les enfants, c'est à l'occasion. Exactement. Ben moi, du coup, j'ai pensé aux enfants aussi. Ah. J'ai pris. C'est trop mignon. C'est des assiettes. Des petites assiettes en cœur comme ça. Stylé, ça. C'est joli, hein. Ah, voilà, j'ai... des petites assiettes pour mettre des petits fruits. C'est en plastique, donc c'est solide. Hein. On est sur du plastique, donc c'est bien. Puis même s'il y a des invités, des enfants, petite assiette en plastique, j'aime beaucoup. Bravo. Voilà. Bravo. Achat très utile. Ouais, celui-là il est bien, celui-là. J'adore. Écoute, on a pensé aux enfants, mais j'ai pensé aux chiens aussi. Ah, mais c'est pour les chiens, ça? Bah écoute, ouais, non je crois que c'était pour Mylon, ça. Qu'est-ce qu'il va faire de ça? Mais il va jouer à la balle avec Lee Wayne. Ils vont jouer à la balle? Bien sûr. Bah c'est un des quatre. Tout à l'heure, on va les mettre les quatre dans quatre coins d'une pièce. Tu vas jeter la balle. On jette la truc, le premier qui le chope, ça lui. Il n'y a que les mêmes. Non, mais tu sais, c'est en matière un peu mousse. C'est non, plaisant. Mais la matière. Ah, bien. Ça te plaît, hein. On est d'accord qu'il n'y a que les papas pour penser à prendre ça. Genre. Bah écoute, ouais, je l'ai vu, il était joli. Allez, à moi. J'ai pris un appareil à gaufre. C'est une gaufrette, hein. Gaufrette. Ah oui, et en plus, t'as vu, ça fait des gaufres en cœur. En forme de cœur. Du coup, ça va aller dans les assiettes en cœur. Mais t'es maligne, toi, dis donc. J'étais très dans le love, là, quand j'ai fait la commande. C'est incroyable. J'étais vraiment dans une vibes. Non, mais regardez-moi cette petite machine, bien emballée, bien protégée. Mais comme c'est trop chou. C'est fou tous ces petits gadgets qu'on a, mais c'est vraiment pas cher. Hein. Ouais, regardez. Ah ouais. Enfant de cœur. Tadam. J'adore. Je n'ai jamais fait de gaufre de toute ma vie. Jamais. Je sais pas faire une gaufre. J'ai fait des pancakes dans une poêle, j'ai fait des crêpes dans une poêle. Tu veux vraiment faire des gaufres dans ça? Pourquoi pas? Je pense qu'il va rester neuf. Mais non, je vais faire des gaufres. Alors ensuite, ça, je me rappelle sans me rappeler trop ce que c'était. Oui! Oui, 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 regardez-moi ce que c'est. C'est un petit truc qui projette des lights au plafond. Vu que maintenant on est des parents et qu'on va plus en boîte de nuit, et bah du coup j'ai décidé de me faire une boîte de nuit dans mes toilettes. Alors pas du tout. Je vais mettre ça dans les toilettes et mais on va faire un petit test. Comment ça, jamais de la vie? Mais genre jamais de la vie, cher. Mais par contre, tu peux faire ce que tu veux, il n'y aura jamais ça dans notre toilette. Je veux que tu ailles tous les matins aux toilettes et que tu rentres et qu'il y ait une petite ambiance. Discothèque. Tous les matins à 6h40 quand on prépare mon lunch. Je veux qu'il y ait l'ambiance. Comme ça, je me prends en after à 8h du mat. Voilà, exactement. Donc, ce que j'ai pris... Moi, je trouve qu'on a des trucs sympas. Moi, j'ai que des trucs très utiles. Hein. Regardez, là, on passe encore un truc utile. J'ai pris... Attends, là, vous entendez que j'avais pris des trucs inutiles, moi? La raquette, non. La raquette, elle passe pas. Tu vas jamais tuer des mouches et des moustiques dans la maison. La raquette, je suis désolée. C'est très utile, ça fonctionne, mais ça, c'est pas fait pour nous. J'ai pris des petits ça. Je sais jamais comment on appelle ça, un encumoir. Je suis pas en cuisine, je peux pas t'aider. Oui, c'est vrai. Donc voilà, j'en ai pris deux pour faire deux rapages. C'est pas pour faire les dessous des pieds, ça? Mais non, arrête, c'est dégueu. Okay. Voilà. Donc j'ai pris ça pour la cuisine, trop bien. Je continue, parce que je suis restée dans la cuisine les gars, m'en voulez pas. Vous savez que j'adore passer du temps dans ma cuisine et que j'aime vraiment la cuisine pour de vrai. Du coup j'ai pris des... Ah oui, mais ça c'est utile ça. Ça, très très utile. Ah oui. Ça c'est pour fermer ton bec des fois quand tu me gonfles. Vas-y, montre-moi si ça marche. Ah non, mais ça c'est trop bien, ça c'est pour attraper les trucs, ça évite de se brûler. La base. Une fois je l'ai attrapé et je m'en rappelle très bien. Bah, oui. Et du coup grâce à ça... Ça c'est très bon, ça c'est très bon achat, bravo. Voilà. Non mais franchement toi tu vas droit dans comme un i. Je vais droit dans le truc, mais ça coûte rien en plus, genre vraiment c'est trop bien. Là je suis plus trop sûr de cet achat. Des bonbons? Non, ce sont des pierres qui brillent grâce au soleil, mais je les imaginais plus grandes. Je vais les mettre... Pierres fluorescentes? Ouais, je vais les mettre au soleil là. Je vais les mettre un peu au soleil, comme ça après je les place à un endroit stratégique. Dans ma discothèque. Oui, dans les toilettes. Dans mes toilettes, ben oui. Ah carrément. Je vais te faire une ambiance toilette, tu vas péter les plombs. Je continue. Moi, j'ai repris des petits sacs de Noël. Encore, et ouais. Eh oui, on est bientôt là. Hein. Là, je compte les dodos, là. Vraiment, on est... On est 3 octobre. Bon. Mais non, c'est dans pas longtemps. Voilà, donc ils sont super beaux, super qualité. Ouais. Voilà, là, on pourrait mettre des plus gros cadeaux. C'est quali, hein. Quali, hein. Franchement, c'est là-bas. Hein. Beau sac, comme ça. J'adore. Ça, c'est un Noël. Je pense qu'on est prêt à aller fêter Noël et faire des cadeaux. J'adore. Ouais, ma grande passion. C'est que du coup,
Tu vas. Tu sous-estimes les cadeaux, il va y en avoir au pied du sapin à Dubaï. Ah, vrai, ouais. Je vais utiliser mes sacs à Noël, alors je vous promets que j'utilise mes sacs à Noël. Alors, ça, j'ai un problème. Je pense que ça va être dans ta commande, parce que je vois pas ce que ça fait dans la mienne. Mais je sais pas. En fait, je sais pas ce que c'est. C'est un truc pour mettre des poissons. Pour mettre du poisson. Ah non, pour mettre. Bah, non, c'est des trucs pour protéger les cheveux. Ah, je sais ce que c'est. Moi aussi. On a commandé. En fait, c'est pour mettre au-dessus du miroir, en fait. C'est ça. Oui, c'est ça. Par exemple, là, si j'ai des fruits. Voilà. Et que j'en ai... Bon, imaginez une assiette. Ben en fait, c'est pour protéger. Ah. Ou alors, par exemple, si j'ai fini de cuisiner, pour pas que les mouches elles viennent dessus. Ah, Charlotte, ben oui, n'importe ça quoi. Donc, ça, c'est trop bien. Parce que quand vous avez des assiettes toutes prêtes partout dans la cuisine, que vous les invitez, ils arrivent dans 5 minutes, que vous avez des olives, du saucisson et tout, ben vous protégez tout simplement. Et ça permet que les insectes ne viennent pas dessus. Et ça, on adore. Je suis très fière de mon achat. En plus, il y en a vraiment beaucoup. On a commandé tellement de choses que tu sais pas. Ouais, je sais plus. Carrément, c'est juste carrément, je me fais des surprises. J'étais trop contente. T'as vu la tête? Ouais, oh, on a découvert en même temps. Ah, on était heureux et tout. Ça. Ah, ça, je sais ce que c'est. Non, je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est quelque chose que tu n'utiliseras jamais, mais je sais ce que c'est. Barbecue, c'est pour nettoyer le barbecue. Voilà, est-ce que toi tu vas nettoyer le barbecue? Non. Mais la personne qui va le faire, elle va pouvoir utiliser ça. C'est vrai. On va tester. Ça te plaît? On dirait un peu une pierre de sous-pied aussi. Ouais. Une pierre de ponce, genre. Mais voilà, pour le barbecue. Pierre de ponce. Non, c'est pas mal, hein. J'ai pris. Tadam! Ça. Oh, un pchita olive. Un pchita olive. À huile d'olive. À l'huile d'olive. Parce que l'olive, là, ça va être... Ou alors à vinaigre, si vous voulez, vous mettez votre liquide ou ce que vous voulez, ou en fait. Ou parfum, aussi. Tu peux mettre un parfum, non, si tu désires, si tu as envie de sentir bon longtemps. Mais oui, mais rien à voir, ce oui, parfum. Oui, c'était, sur la photo, c'était une olive, mais qui nous empêche de mettre autre chose. C'est un spray, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre l'huile d'olive et c'est vrai que c'est trop bien, comme ça, vous chitez vos, je sais pas, votre poulet, par exemple, pendant qu'il cuit. Et voilà, très fier de mon c'est un super achat, celui-là. Moi, c'est mon préféré. Ah, je savais. Je l'adore. Aime-moi avec mes achats. Ah oui, regarde ça, celui-là, il est obligatoire. Ça fait 40 ans qu'on voyage. Et 40 ans qu'on n'a pas ça et qu'on dit qu'il faut acheter ça. Ah punaise, ben, ah oui. Alors, le pèse-bagage. Le pèse-bagage, ça c'est une base. Le pèse-bagage, obligatoire à avoir. On voyage vraiment beaucoup et c'est vrai que du coup à chaque fois, il est là, il monte sans la valise. Ensuite, il va sur la balance, il porte la valise. Enfin bref, à chaque fois, on se dit il faut qu'on ait un porte-bagage. Voilà, donc là j'appuie ici, il s'allume. Ok, là je pèse. Vas-y, on va voir si t'es relou. Vas-y, on va voir si t'es relou. Non, mais non. Oh là là, t'es très lourde. J'ai pris également... du sel et du poivre. Vraiment... En fait, t'as pris que de la cuisine, quoi, je trouve. Bah, j'ai pris des choses utiles, des choses que je vais garder dans ma cuisine, que je vais utiliser tout le temps. Genre, pas une tapette à tuer des moustiques. Non, voilà, trop beau, ils sont grave canons. Hop, on a le sel, le poivre, ma cuisine est noire et blanche. Parfait. Assorti au pipi de l'huile, donc il manque le vinaigre. Voilà, tout est noir et tout, j'ai commandé tout noir et blanc. On peut faire à manger, manger dans les assiettes. Manger des gaufres et protéger. T'as pris que des trucs de cuisine en fait. Ouais, et de temps en temps, mais tu peux mettre dans un sac de Noël pour faire plaisir aux gens. Allez, ensuite, j'ai pris ça. Quoi ça? Eh ben justement, je vais l'ouvrir puisque je me rappelle plus que c'est ça. Ah, je sais. Ah oui, je sais, je te l'avais montré, tu m'avais dit ouais, c'est bien. C'est pour nettoyer entre les vitres là. C'est pour nettoyer, vous savez, dans les portes baies vitrées fenêtres. C'est toujours excellent. Ou les fenêtres. Excellent. Voilà, donc là, vous passez la fenêtre entrée, ça vous permet de nettoyer. Excellent. Donc c'est vrai que c'est assez pratique, c'est des endroits où on n'arrive pas à aller à chaque fois. J'avoue, à chaque fois, je galère quoi. Ah ouais, vraiment, toi, tu passes des heures et des heures. C'est l'élément qui me manquait. Du coup, tu vas aller beaucoup plus vite maintenant. Il me manquait absolument ça. Ah oui, mais ça, c'est pour les enfants, parce que j'ai pris une petite chenille. Une petite chenille de toutes les couleurs, comme ça, pour les enfants. Ah, ça... Oh, c'est agréable. Regarde. Eh ouais. Tu vois, mais... faut pas avoir l'esprit trop déplacé. Hein. Non, mais j'ai envie d'essayer quand même, ça me plaît. Non, mais j'ai envie de tester. Ah ouais, c'est cool. Ah, j'aime bien. Ah ouais, ça me plaît. Ah, mais, c'est bien. Mais... Hein. Ah ouais, c'est vrai quand vous l'avez en main, c'est... C'est bien, genre. Non, mais c'est à moi, c'est pas à toi, je te vois venir. Ouais, ça peut être un déstressant, genre. Ah ouais. J'aime bien. Alors, ça sert à quoi? Un ça... nettoyer entre les dents. Non, c'est pour déboucher les pommeaux de douche. Déboucher les pommeaux de douche, et en fait, tu sais pourquoi je l'ai pris? Parce qu'on fait que le regarder tous les jours et qu'on le fait pas depuis 6 mois. Non. Et alors... tu t'es peut-être dit qu'il fallait déboucher. Non, regarde, tu vois, avec un embout comme ça. Et en fait, non, je vais l'utiliser pour notre petite fontaine, tu sais où on a les petits... Non, mais le mieux c'est pour la douche, hein. La salle de bain en haut. Ah ouais, mais moi je vais l'utiliser pour notre petite fontaine. Non, mais ça passera jamais. Le mieux c'est pour la douche. Ouais. Mais moi je vais l'utiliser pour une petite fontaine.
Alors écoute, je vais quand même essayer parce qu'à la base j'ai voulu pour les petites fontaines. Et toi, tu essaieras pour les poumons. Non, c'est en haut, il faudrait que tu montes sur l'escabeau. Non, tu vas essayer. Et tu vas faire aussi toi. Non. C'est ton l'achat. Moi, je voulais acheter pour deux heures, quoi. Je vais pas monter sur l'escabeau et rester ma vie. Tu vas monter sur l'escabeau. Ça fait combien de mois qu'on a les trucs bouchés en haut du ciel de pluie? Ah oui, c'est vrai ça. Mais c'est ça que je te parle. Ah oui, j'avais pas compris. Tu crois que je parle de quoi? De la pommeau de douche. Mais ils sont pas bouchés, les pommeaux de douche. Bah, c'est pour ça. On se comprend plus. On a un ciel de plafond de douche et ça s'est bouché. Donc, du coup, il y a 3G sur 4. Mais avec ton super ustensile. C'est vrai, j'avais utilisé pour ça. Voilà. Alors, j'ai pris ça. Ah, j'ai un souvenir, c'est moi aussi, j'ai pensé au chien. C'est une gamelle pour Gizmo, tu sais, parce que comme il a et bien au moins sa tête elle se baisse pas quand il mange. Elle est comme ça, tu vois, elle est un peu. Et du coup, je me suis dit, ils vont essayer et si ça leur va, on prendrait un deuxième. Stylé. Mais déjà, on essaye avec un. Tu vois, lui qui mange. Normalement, les chiens ils mangent les croquettes à la hauteur de la tête. Ok, bravo. Donc j'ai pris un. Bravo. Voilà. Bravo. Trop beau. Pratique, hein. Ouais, pour mettre de l'eau et des croquettes. Bravo. Voilà. Une gomme. C'est pas... Ah, c'est une gomme à chaussures. Ah, pour nettoyer les chaussures. Nettoyer les chaussures, bah écoute, on va tester ça. Donc ça veut dire que si on le passe sur la chaussure, elle disparaît, genre. Tu te retrouves pieds nus. Comment? Mon avant-dernier article, j'ai pris... Ah oui. Trois planches à découper. Toujours dans le thème de ma cuisine, hein, noir et blanc. Franchement, ça c'est bien, on coupe le fromage et tout. Voilà, oui, pas que. Ah oui, ah voilà. Oui, c'est cool, c'est calme. Petit lot de trois planches, ça sert toujours, j'en ai toujours de partout dans ma cuisine. J'utilise une planche pour chaque truc à chaque fois, j'ai de tout partout. Voilà, donc hyper pratique, comme d'habitude. Bravo. Regarde, je pense à toi. C'est mon dernier article. Eh bien, comme je sais que tu aimes bien les petits pots de rangement. Ah, tu m'as pris des pots. Je me suis dit que tu allais pouvoir ranger. Ah, c'est des pots, c'est trop bien. Des petits pots, voilà, c'est ce que tu veux, tu peux le ranger dedans. C'est pas mal, hein? Ah ouais, ça me plaît. Voilà. Je suis déjà en train de réfléchir à qu'est-ce que je peux ranger dedans. J'adore les pots, ma passion voilà. Les pots. Ah là, vraiment, ça me fait très c'est plaisir. C'est mon dernier objet, je l'ai gardé pour la fin. Merci mon cher, ça me fait très plaisir. Et bien entendu, vous connaissez ma passion pour les boîtes. Ben forcément, j'ai pris des boîtes de toutes les tailles. Voilà, j'adore, vous pouvez mettre des céréales, des pâtes, même vos restes dans le frigo. En plus, ce qui est trop bien, c'est que vous recevez avec le petit stylo pour noter, vous pouvez coller les stickers. Voilà, toutes les tailles de boîtes, c'est comme ça que ça se passe. Tac, tac, tac et tac. C'est ton site, ça? C'est mon site. Il y a beaucoup de petits gadgets. J'adore ça. Vraiment, vous avez vu, j'ai refait ma cuisine, j'aime trop. Ouais, il reste deux petits trucs. J'ai pris un petit cutter parce qu'il était vraiment trop beau. Mais juste parce qu'il était beau. Je sais très bien que je vais peut-être l'utiliser. Ah, quand on reçoit des petits colis. Regarde comme il est beau, il est en nuage. Ah ouais, par contre, non, mais il est trop beau. Voilà, c'est un tout petit, hein, quand on reçoit des colis. Ah, ça, c'est. Moi, j'aime bien. On est quand même. Notre métier est quand même d'être influenceur, on reçoit quand même des colis, donc voilà. Ça te plaît? Ouais. Tu voudrais utiliser mon petit nuage? Ouais, j'aime bien. Je l'adore. Ah ouais, j'ai un vrai coup de cœur. Ah ouais, j'adore aussi parce qu'il est trop pratique. Voilà. Ensuite, autre chose, ça, c'est un truc comme ça, là où tu fermes, vous savez? Tu sais, je sais pas trop m'expliquer. Ah, c'est pour fermer le cellophane, quoi. Voilà, là par exemple, bon, y a pas de pile et tout, faut le mettre, hein, faut le brancher. Et ben tu ferais comme ça, tu vois, tu passes, tu fais psss, et hop, c'est scellé. Des bonnes. Ouais, j'adore. C'est un truc qui sert à rien. Non, bah, j'aime bien fermer, mais j'aime bien. Hein. Mais fais voir si j'essaie de fermer quelque chose. Ah, là, c'est pas vraiment scellé. Non, mais j'aime bien. Il faut essayer, il faudrait essayer. Le meilleur pour la fin, il est là, on adore. Alors ça, c'est quelque chose que j'utilise tous les jours dans ma vie, tous les jours. Mon mari adore, voilà. On dirait un bonnet de cuisinier. Non, pas du tout, on dirait bien que c'est pour dormir. Mais je te jure qu'on dirait un cuisinier. Regarde-moi cette beauté de bonnet. On dirait ratatouille comme ça. Tu m'aimes avec mes bonnets de nuit. Moi, je mets toujours des bonnets de nuit, ça protège les cheveux, ça les emmêle pas, ça les fait briller. Aime-moi tel que je brille. Embrasse-moi, s'il te plaît. Non, pas comme ça. Mais voilà, je suis très contente. Voilà, on vous a tout montré. On est très très contents de tous nos achats. Chose que je tiens à souligner, c'est que c'est pas cher. Ah oui, vraiment, c'est des 2$, 3$, 1$, des centimes même. Enfin, vraiment, c'est génial. Il y a plein de choses vraiment pas chères. Tout le monde peut y trouver son bonheur. Ça qui est bien, c'est accessible. Livraison très rapide et qualité. Franchement, la qualité, pas mal pour le prix. Rapport qualité-prix incroyable. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir avoir tous ces articles qui sont déjà donnés encore moins cher grâce à ce code.
Voilà. Dans la description, vous retrouvez tout. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la description. Très important. Et en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Le problème, c'est que moi, j'ai encore envie de commander plein de trucs là. J'ai vu plein de trucs qu'on n'a pas commandé, que je peux commander. Vous voulez peut-être qu'on utilise déjà ce qu'on a acheté là. Mais moi, je vais tout utiliser. Hein. Ben, moi, je te crois pas. Ai-je le droit? Non, tu vas en utiliser. Non, il y en a que tu vas utiliser. Et moi, je vais utiliser aussi quelques-uns. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, bien entendu, comme d'habitude. On vous dit à bientôt. Merci à tous. Bisous. Pour toutes les personnes qui veulent commander les mêmes produits que nous avons commandé nous, vous avez tout simplement nos liens dans la description. Chaque produit est listé, donc faites-vous plaisir. So catch me if I fall.